Esta es la última sesión, el último esfuerzo, pediría yo. Y sin más preámbulos, pues abunda parola, ¿eh? ¿Sí? Alors, on va continuer avec quelque chose qui est lié au problème du temps de travail, aux évolutions du temps de travail, et ce que je vous ai dit, en fait, sur le fait qu'aujourd'hui, il était de plus en plus nécessaire de prendre en compte les articulations, les relations entre le temps de travail et les autres temps de vie. Mais ça va même beaucoup plus loin. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est ce que produit un temps, par exemple le temps du travail, sur le territoire, par exemple. C'est pour ça qu'on appelle ça les politiques temporelles locales. Time policies, local time policies, on dit. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'en Espagne, on connaît un petit peu, qui a été un petit peu travaillé en Espagne, mais ce n'est pas le principal pays. C'est quelque chose qui vient d'Italie. Et je dirais, juste pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire sur le temps de travail, je voudrais juste donner un exemple pour faire l'articulation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accord Volkswagen en 1993. Donc Volkswagen, au niveau de l'Allemagne, décide de, avec IG Metall, avec le syndicat IG Metall et le patronat de Volkswagen, il décide pour leur entreprise de réduire la durée du travail à 28h80, alors qu'ils étaient à l'époque à 36 heures, hein, et ils allaient vers les 35 heures. Puisque normalement, dans l'accord de la métallurgie, on devait être à 35 heures en 1995. Et alors, ils ont mis ceci en place, bien sûr, 28 heures, et avec un régime, normalement, sur 4 jours. Et évidemment, ce type de réduction du temps de travail très profond, très important, a amené une réorganisation du temps de travail. Et donc, il y avait dans la même entreprise, comme Volkswagen, plus de 150 horaires différents. Et alors, à Wolfsburg, qui est la capitale Volkswagen, Wolfsburg, c'est une ville en Allemagne, où c'est la capitale de Volkswagen. Et là, il y a 50 000 salariés de Volkswagen dans une ville qui fait 120 000 habitants. Donc vous voyez, c'est la ville, d'ailleurs ils ont appelé ça Autostadt, hein, c'est la ville de l'automobile. Et donc ils ont mis ça en place, en 1993. Et quelques années plus tard, ils se sont aperçus d'une chose. Par exemple, ils se sont aperçus que la société de transport public, de transport en commun, avait perdu la moitié de ses usagers et était en faillite. Ils se sont aperçus que l'économie de la ville de Wolfsburg allait de plus en plus mal. Et pourquoi? Parce que, évidemment, il y avait 150 horaires différents. Donc, les bus qui passent pour prendre les salariés sur le chemin pour les amener à l'usine, ça ne fonctionne plus. Les gens prenaient leur voiture. Ils travaillaient 28 heures. Au lieu d'aller à Wolfsburg, qui est une ville industrielle, vous voyez, hein, ils allaient à Hanovre. Une ville plus riche, etc. Donc, alors, bien sûr, ils avaient perdu du pouvoir d'achat, un petit peu, mais ils étaient plutôt plus élevés que dans les autres entreprises, donc pour eux, ça allait tant bien. Et puis, ils se sont aperçus que le taux de divorce a énormément augmenté, parce que, évidemment, les salariés, c'est plutôt, on est en Allemagne, sur un modèle de l'homme qui travaille, la femme au foyer. Et d'un seul coup, l'homme était là, au foyer, à ne pas savoir trop quoi faire, etc. Il y a eu des problèmes, etc. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire que on n'a pas anticipé les externalités, c'est-à-dire les impacts qu'allait produire la réduction du temps de travail sur la vie sociale, sur la vie du territoire, sur sa structuration, etc. Alors, je ne dirais pas que les politiques temporelles sont mieux de cela, mais je dis cela parce que ça a été un des chantiers, si on peut dire, un chantier, workshop, des politiques temporelles en Allemagne. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui,
Je vais vous dire trois choses, trois grands points. La première, c'est qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ces politiques temporelles et pourquoi ça existe. Ensuite, je vous dirai qu'est-ce que c'est que ces politiques temporelles, où elles se, comment ça fonctionne et pourquoi. Et puis, j'essaierai de vous donner quelques éléments sur leur portée un petit peu sociale et culturelle. Alors, d'abord, sur leurs origines. Mais aux origines, c'est en Italie. Alors, c'est intéressant, pourquoi l'Italie? Pourquoi l'Italie a, d'un seul coup, été un pays innovateur en matière de politique du temps? Alors, ça vient d'une chose, c'est, ça vient d'abord des femmes. Et en particulier, l'Italie, c'est un peu, un peu comme, comme l'Espagne. C'est-à-dire que le taux d'activité des femmes est faible. Hein? Et dans les années 80, les femmes, en particulier du nord de l'Italie, qui vit plutôt sur le modèle français et allemand que sur le modèle que, par rapport au sud de l'Italie, le Mezzogiorno, qui est très, encore traditionnel, rural, etc. Milan, c'est une ville comme Paris, hein, c'est une ville qui est comme Madrid, etc. Quoi, c'est des villes qui... Bon. Donc les femmes veulent rentrer sur le marché du travail. Le temps partiel n'existe pas, très peu. Très régulé par les syndicats et très opposé, concentré simplement dans quelques petits secteurs. Ce n'est pas du tout que je sois pour le temps partiel, mais c'est, en tous les cas, pas de cette possibilité. Donc, pas d'infrastructure pour les enfants, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des personnes âgées, pour s'occuper du care, ce qu'on appelle les soins, l'économie des soins, etc. Et donc les femmes du Parti communiste italien, à l'époque c'était encore le Parti communiste italien, ont fait, dans les années 80, au milieu des années 80, une loi, elles ont écrit une loi, qui était très intéressante. Ça s'appelait « Les femmes changent le temps ». Les temps. Et c'était « Les femmes changent le temps du travail, le temps de la vie et le temps de la ville ». C'est-à-dire qu'elles ont eu une approche, comme je disais tout à l'heure, articulée, globale. C'est-à-dire, disaient « Bon, le temps de travail, il est trop long, les hommes, du coup, ils font rien à la maison, nous, on ne peut pas travailler, etc. » Deuxièmement, le partage du temps entre les hommes et les femmes est très inégal. Troisièmement, la ville, elle n'est pas faite pour les gens qui travaillent. Et en particulier pour les femmes qui travaillent avec des enfants, etc. Ce n'est pas organisé pour ça. Et donc, elles avaient ce projet de loi. Alors, le projet, il a été débattu, discuté, etc. Bon, il n'a pas été voté, bien sûr. Mais il y a eu un débat, quoi, qui s'est instauré entre des chercheurs, entre des gens dans les associations, dans les municipalités, le politique, etc. Et en 1990, il y a une loi de décentralisation, toute bête, qui a simplement dit le maire de la ville, il peut organiser des négociations pour mieux harmoniser les horaires de la ville. Déjà, c'était un petit élément. Et donc, toutes les femmes qui étaient dans les villes municipales et qui avaient participé à ce projet et qui voulaient promouvoir ça, on commençait à faire des politiques temporelles. À Modène, ça a commencé, en particulier, avec la construction d'un pacte pour la mobilité. Je reviendrai tout à l'heure pour dire ce que c'est un pacte pour la mobilité, mais bon, ça se comprend, hein, c'est-à-dire comment faire en sorte que la mobilité fonctionne mieux pour tout le monde, pour ceux en particulier qui ont des enfants, qui travaillent, etc. Et donc, on a eu, pendant 10 années, le développement d'expérimentations dans une centaine de villes italiennes, que ce soit la mise en place d'un bureau du temps, que ce soit la mise en place d'une banque du temps, que ce soit le développement de ce qu'on appelle le dialogue sociétal, je vous dirai tout ça dans les principes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais enfin, plein de villes se sont lancées avec différentes phases. Ça a d'abord été une conception un peu technocratique des choses, en disant on va regarder quels sont les horaires de fonctionnement des services, on va regarder quels sont les problèmes des gens, puis on va articuler tout ça, quoi. Bon, c'est très technocratique, et ça n'a pas marché. Ça a été à Milan, à Gênes, les premières phases, quoi. Puis petit à petit, ils sont rentrés dans le détail, ils ont commencé à avoir une méthode d'analyse, des méthodes de représentation, que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin bref, développer une démarche, une vraie capacité de faire, notamment avec le mélange entre le politique, l'université, en particulier le Politecnico de Milan, mais beaucoup d'universités sont impliquées. Le plus important, c'est le Politecnico de Milan, avec Sandra Bonfioli, ma collègue, avec qui on est en train d'écrire un livre en ce moment, et les acteurs sociaux, les syndicats, etc., les femmes, les mouvements de femmes ont été très impliqués là-dedans. Et puis, en 2000, il y a eu la loi Turco,
C'est justement celle qui avait écrit le projet de loi de 1985-86, qui est devenue ministre du Travail. Et vous voyez, je donne cet exemple parce que ça montre bien le lien entre ce que j'ai dit avant, le temps de travail et le temps de la vie. Parce que dans le même texte de loi, c'était un texte de loi qui, d'une part, donnait du droit à l'absence, du droit à s'absenter pour se former, pour le congé, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des personnes âgées, etc., des personnes dépendantes. Donc c'était un droit à l'absence qui était donné par cette loi. Et dans le même texte de loi, il y avait une généralisation du processus des politiques temporelles. C'est-à-dire de dire toutes les villes de plus de 30 000 habitants en Italie doivent avoir un bureau du temps. Toutes ces villes doivent développer des politiques temporelles, des banques du temps, etc. Donc vous voyez que dans le même texte, on avait l'articulation entre le temps de travail, les questions du travail et les questions de la vie dans la cité et de l'articulation entre les différents temps. Alors, ça s'est développé aussi en France, ça s'est développé d'abord en Allemagne. Et là, en Allemagne, c'est un peu différent. En Allemagne, c'est vraiment une personne qui a amené, qui a importé ce concept. C'est Ulrich Meckenberger, avec qui j'ai écrit un livre, et avec qui je suis en train à nouveau d'écrire un second livre avec Sandra Bonfioli. Tous les trois, on travaille ensemble sur un livre européen. Ulrich Meckenberger a été séduit par cette approche, il connaît bien l'Italie, et donc il a fait venir le maire de Modène, le Polytechnico, à Brême et à Hambourg, il a commencé à expliquer ce que c'était, etc. Et des villes comme Brême, Hambourg, Hanovre et tout ça ont commencé à rentrer dans ce processus. Et le premier bureau du temps en Allemagne a été à Brême, Brême-Wekesack. Et donc, Ulrich a joué un peu, c'est une importation du processus, de, à peu près au milieu des années 90. Et puis on a créé un réseau européen, avec Ulrich, Sandra, et puis d'autres chercheurs, et un réseau européen qui a été financé à partir de 1996 par le Fonds social européen, avec l'idée de développer le dialogue social local. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut développer un dialogue social entre partenaires sociaux au plan local, mais avec d'autres acteurs, d'où l'idée d'un dialogue sociétal. Et ce réseau, il a fonctionné pendant 4 années, moi j'étais dedans, et il a permis de diffuser cette idée-là. Et on l'a diffusée en France aussi. Et en France, on a une grande tradition, je ne développe pas ici, mais on a une grande tradition d'études des temps sociaux, sauf qu'on avait complètement perdu tous ces aspects de vue. Et en particulier, l'aspect articulation entre temps de travail et autres temps sociaux. On avait une séparation entre la sociologie du travail et la sociologie du loisir. Il n'y avait pas Moi, je suis un borderline, je suis à la frontière des deux, et je suis à peu près le seul en France à travailler sur les deux en même temps. Alain Chenu est plus sur la question des emplois du temps. On y a une division du travail. Et le centre de recherche, le seul centre de recherche du CNRS, de ce grande administration de la recherche en France, qui était consacré aux temps sociaux, a disparu dans les années 80. Pourquoi ? Parce que la question du temps était seulement celle du travail. La question du temps de travail comme élément de partage du travail ou d'efficacité productive, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On ne s'intéressait pas à ce que ça allait produire comme effets sociaux. On l'a redécouvert seulement tout à fait récemment. Et donc, nous, on a essayé de... On avait des territoires, des villes, qui étaient intéressées un petit peu, qui disaient, ah oui, puis quand est arrivée la loi Aubry, alors là, ils se sont dit, mais ça va produire des effets, puisqu'on les avait, nous, on en avait parlé. Et donc... À ce moment-là, au moment des 35 heures, ce qui est assez curieux, c'est que la seconde loi Aubry, dont je parle ici, la loi Aubry ici, la deuxième, avait un alinéa, un petit truc, qui expliquait que les villes, qui reprenaient notre thèse, c'est-à-dire qu'il disait que les villes devaient réfléchir à une autre organisation des temps, des services, etc., en lien avec la réduction du temps de travail. Et donc, si vous voulez, ça a donné une légitimité à la chose. Et l'ADATAR, qui était une institution du gouvernement français, rattachée au Premier ministre, ça veut dire délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, donc c'est-à-dire space planning, planification de l'espace, aménagement du territoire, s'est intéressée à cette question du temps et nous a confié un séminaire que j'ai dirigé pendant 4 années,
qui permettait à la fois de développer des réflexions et en même temps d'aller sur le terrain dans les différentes villes pour lancer des politiques du temps. Et Saint-Denis, là, les villes comme, qui sont là, là, Saint-Denis, Poitiers, Belfort, le territoire de la Gironde, à côté d'ici, hein, le département de la Gironde, ont commencé à initier des politiques du temps. Et aujourd'hui, avec le changement de gouvernement, depuis le changement de gouvernement, tout est arrêté au niveau gouvernemental, alors qu'il y a eu une frénésie. Hein. C'était le ministère de la Ville, le ministère des droits des femmes. Tous ces ministères-là se sont intéressés. On les a emmenés faire une visite en Italie, une visite à Brême, en Allemagne. Enfin, ils étaient tous les ministres étaient passionnés par ça. Et au moment des élections municipales de 2001, Bertrand Delanoë, qui est maire de Paris, qui a été élu maire de Paris, s'était engagé à faire un bureau du temps à Paris. Donc il y a un bureau du temps à Paris et il y a des initiatives qui sont prises. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des initiatives qui sont des initiatives locales. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'État, c'est les villes elles-mêmes qui se lancent dans ces politiques temporelles. Alors, je l'ai dit, l'Italie, l'Allemagne, la France, un peu l'Espagne, en particulier dans les Asturies, mais ça c'était notre réseau, parce qu'on avait ce réseau européen dans lequel il y avait le SECODET, je ne sais pas si vous connaissez, à Oviedo, Firmin Rodriguez, hein, et puis son équipe, qui étaient intéressés à ces questions, et qui ont réfléchi un petit peu aussi, et qui ont eu des initiatives. Mais il y a aussi Barcelone, qui avait, au moment de Barcelone 2000, qui avait aussi importé un peu la démarche italienne. Il y a un petit peu de mal. En Espagne, aujourd'hui, on est plutôt sur le thème de la conciliation entre travail et vie familiale. Hein. Donc, il y a le réseau Equal, par exemple, à Madrid. Il y a plusieurs réseaux aussi en Andalousie de mise en œuvre de politiques de conciliation. Mais sur les politiques temporelles des villes, en Espagne, on pourrait dire que c'est surtout les Asturies, avec en particulier, vous savez, je reviendrai là-dessus, mais par exemple, l'ouverture d'espaces publics pour les jeunes la nuit. À Oviedo, à Gijón, etc., ils ont développé ça, c'est-à-dire, vous savez, les jeunes en Espagne, hein, vous connaissez ça mieux que moi, qui boivent beaucoup, qui sont dans la rue, etc. Et donc là, c'était de leur offrir une alternative, une possibilité de faire autre chose. Et à Gijón et Oviedo et d'autres villes comme ça, il y a eu, surtout dans les Asturies, il y a des initiatives importantes. Et puis, l'autre pays qui a développé ça, ce sont les Pays-Bas. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les Pays-Bas, les femmes sont entrées sur le marché du travail de façon très brusque. Jusqu'au début des années 80, le taux d'activité des femmes aux Pays-Bas était celui de l'Espagne. C'est-à-dire que les femmes rentraient sur le marché du travail, dès qu'elles avaient des enfants, elles sortaient, mais complètement là. Il y avait plus... Donc, elles ont commencé à travailler à temps partiel, etc. Dans un pays où il y avait très peu d'infrastructures, etc. Et donc, ils ont développé un gros programme, pas à travers l'action municipale. C'est un programme national, appel à projet, et donc ils ont financé, ce programme s'appelle Dachindeling, ça veut dire aménagement des temps quotidiens, et l'idée c'était de trouver des solutions pragmatiques pour les gens qui travaillent, qui ont des enfants, pour ceux qui sont les couples biactifs, les deux travaillent, ou bien les familles monoparentales, etc. Et donc il y a eu plus de 200 initiatives financées par le gouvernement, mais et surtout le Fonds social européen, ils se sont bien débrouillés, ils ont fait financer ça par l'Europe, mais des petits projets, ça peut être une crèche, ça peut être une école, ça peut être une administration, etc. C'est pas municipalisé, c'est pas dans des villes. Et donc là, si vous voyez un peu la carte de là où il y a des politiques temporelles, donc l'Allemagne, hein, avec quelques villes, surtout dans le Nord, l'Italie, on n'a pas tout mis, on a mis les principales, mais vous voyez que c'est quand même surtout le Nord aussi. Il y a plein de petites villes, hein, Bolzano ici, c'est des villes moyennes, hein, des villes, bon, Milan bien sûr, Rome ici, etc. Il y a aussi, ils ont oublié, mais bon, il faudrait l'actualiser, j'ai déjà 2-3 ans que j'ai fait cette carte. Il y a Bristol que je compte dedans, et puis en Espagne, bon voilà, un peu les Asturies. Bon, vous voyez, c'est pas très répandu, mais il y a quelques villes quand même qui sont... Il y a quand même, je trouve extraordinaire parce que c'est une diffusion assez rapide de cette problématique, parce qu'il y a un réseau de villes, il y a un réseau de recherche, et donc
Tout ça se diffuse à travers ce qu'on appelle les best practices, vous savez, une sorte de benchmarking, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Alors, pourquoi finalement ça se diffuse tout ça? Pourquoi y a cette diffusion? Et je voudrais revenir un petit peu juste pour donner les facteurs explicatifs, c'est que tous ces changements dont on a parlé du travail tout à l'heure, du temps de travail, la flexibilité, etc., ça rend de plus en plus difficile la conciliation et la synchronisation des rythmes individuels et collectifs. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens ont du mal à organiser leur rythme, à organiser leur vie. Et donc, il ne s'agit pas de dire que c'est la ville qui va le faire pour eux. Simplement, le territoire, la façon dont on organise les temps, peut être une manière de faciliter les choses, de manière de rendre les choses plus simples. Et je donnerai des exemples tout à l'heure. En tous les cas, dans les facteurs explicatifs, il y a bien sûr tous les changements du travail. Je vous l'ai dit, la durée du travail, la flexibilité, mais aussi la nature et le contenu du travail. Le fait que le travail est de plus en plus immatériel, c'est-à-dire un travail cognitif, qui mobilise les capacités cognitives des individus. Et quand on sort du travail, on ne se déshabille pas du travail, on est encore occupé par le travail. Et puis en plus, il y a les nouvelles technologies, on en parlait ce matin, qui font qu'elles sont transportables dans le train, à l'hôtel, à la maison. On retrouve le mail, on retrouve le téléphone portable, on retrouve Internet, etc. Et donc, la frontière entre travail et hors-travail se brouille. Elle commence à disparaître. Une sorte de continuum, en fait. Il y a aussi la précarité, les femmes sur le marché du travail. Et j'expliquerai, les femmes sur le marché du travail jouent un rôle important. Le fait qu'on est de plus en plus dans une économie de service. Une économie de service, ça veut dire que le temps, c'est pas stockable, un service. Il y a des services stockables. On peut faire une cassette vidéo. Bon, on va l'écouter à un autre moment. Mais vous savez que c'est très chronophage, hein, ça consomme du temps, ça. Mais sinon, le service, quand vous allez au restaurant, c'est pas une cassette vidéo qui va vous servir, hein, c'est quelqu'un. Donc, le service, et cette économie de service qui se développe de plus en plus, c'est du temps. Le service, c'est se co-construit entre celui qui donne le service et celui qui le consomme. C'est une co-construction. Donc le temps joue un rôle différent de l'industrie où on pouvait différer. On faisait un stock, même si dans l'industrie on fait de plus en plus de flux tendus, et on peut faire quand même, il y a quand même un peu de stock. Tandis que dans le service, c'est immédiat. Et donc, ça veut dire que si vous voulez ouvrir un commerce plus tard, ça veut dire qu'il faut des employés. Si vous voulez ouvrir une station-service, plus tard, il faut des employés. Si vous voulez ouvrir une bibliothèque plus tard ou le dimanche, il faut des employés. Donc ça se discute ou ça s'impose? C'est une vraie question. Et puis, le fait qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, etc., ou de foyers biactifs, et puis surtout, une individualisation des modes de vie. Je parlais d'un paradoxe tout à l'heure, mais ce paradoxe, il est très fort. C'est-à-dire, le paradoxe entre le fait d'avoir plus de temps et en même temps, d'avoir une pénurie de temps. C'est-à-dire, on a plus de temps, mais on a plus d'activités aussi. Avant, c'était très organisé socialement. On sortait du travail, il n'y avait pas grand-chose, beaucoup d'activités à faire. Aujourd'hui, il y a toute une palette et on veut participer à tout. On va regarder la télévision, on va regarder les matchs de foot, on veut participer à la vie sociale, etc. Donc, il y a besoin de temps. J'insiste pas sur les 35 heures parce qu'on en a parlé. Je dirais juste, la seule chose que je voudrais développer sur les 35 heures, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement les 35 heures. Vous savez, les 35 heures, elles ne sont pas à l'origine de la flexibilité en France. Elles ont accéléré un processus qui existait. Puisque ce que j'ai montré ce matin, tout à l'heure, c'est que la réduction du temps de travail entraîne une augmentation de la flexibilité. Mais par exemple, il y a des gens qui sont en France, ils ont ce qu'on appelle des jours réduction du temps de travail, JRTT. C'est pas du tout comme des congés. C'est une vingtaine de jours dans l'année liés aux 35 heures que vous pouvez prendre. Alors il y en a qui sont imposés, et puis il y en a qui sont, en général, les cadres, ils peuvent les utiliser quand ils veulent, et les moins qualifiés, ben, on leur dit, c'est mardi après-midi, c'est jeudi, c'est tel jour, c'est une demi-journée ou une journée tous les 15 jours. Et donc vous avez une modification dans les représentations, des valeurs qui sont attachées aux différents jours, entre, par exemple, la semaine et le week-end. Par exemple, des gens qui sont en congé des femmes, qui sont en congé le mardi après-midi ou le jeudi, elles vont faire tout ce qu'elles faisaient le week-end avant.
Elles l'oubèrent le week-end, c'est-à-dire elles font les tâches ménagères, etc. Elles les rendent invisibles, du coup. Du coup, plus personne ne les voit. Hein. Elles font ça, elles font un peu, moi j'appelle ça le don du temps. Elles donnent du temps. Pour être avec leur famille, avec leur mari, avec leurs enfants le week-end. Et puis il y a des gens qui inversent ça. Il y a des gens qui, au contraire, utilisent ce temps pour aller au musée, pour aller parce qu'il y a moins de monde. Et du coup, le dimanche, ils font autre chose, ils vont voir des amis, etc. Donc si vous voulez, il y a les valeurs qui sont attachées à des jours qui, pour nous, étaient, par exemple le dimanche, ils changent de valeur. Et ça, ça me paraît des choses qui sont culturellement importantes. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que tout ce que je vais vous dire, en fait, ce qui est remis en cause là, c'est l'organisation fordiste du temps. Vous savez, l'organisation fordiste du temps, le compromis fordiste, il s'est noué sur trois grands principes. La discipline par le temps de travail. Et je vous, si ça vous intéresse, peut-être vous connaissez ça, vous avez lu, mais par exemple, lire E.P. Thompson, hein, l'historien anglais qui explique comment s'est construite la discipline industrielle du temps au XIXe siècle, comment il y a eu une lutte hein, entre ces travailleurs qui voulaient, par exemple, pas venir au travail le lundi, on appelait ça la Saint-Lundi, c'était pas le dimanche. Le dimanche, c'était un temps libre, contraint. Il fallait des activités religieuses, il fallait aller à l'église, etc. Donc, pour les ouvriers, le temps libre, c'était un autre jour. Donc, ils prenaient le lundi, et on appelait ça la Saint-Lundi. C'était le jour libre des ouvriers. Bon, après, il y a toute une histoire qui fait que le lundi est passé au samedi pour faire le week-end, mais ça, c'est toute une histoire. Donc, cette discipline, à partir du moment où la valeur des autres temps sociaux, du temps hors travail, du temps libre, etc., devient importante, alors cette discipline par le temps de travail, elle fonctionne moins bien. C'est ce qui explique cette articulation entre les deux. La synchronisation par la succession des activités. Vous aviez le temps de travail et puis autour les autres activités. Hein, c'est clair, hein, vous avez le temps de travail, 5 jours, 6 jours, 6 jours d'abord. D'abord c'était tout le temps, ensuite ça a été 6 jours, ensuite 5 jours. Dans certains pays, 4 jours comme aux Pays-Bas. Et puis, autour, les activités de loisirs. Vous prenez le prime time télévision. Le prime time, c'est-à-dire le journal télévisé. En Espagne, c'est 22h, je crois, ou 21h. Au Danemark, c'est 18h. Vous voyez, chacun a son propre... Donc, c'était quand même très structuré par la manière d'organiser le temps de travail. Et puis, la synchronisation par la division du travail entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire la femme au foyer qui s'occupe de tout, qui s'occupe de l'éducation des enfants, des démarches administratives, des courses, etc. Et puis l'homme qui travaille. À partir du moment où les femmes sont sur le marché du travail, ça ne peut plus fonctionner, ça. La division du travail entre les hommes et les femmes doit être pensée. Elle ne l'est pas beaucoup. Alain Chenu vous l'a montré, sûrement, et Maria Durham aussi a dû vous le montrer, c'est-à-dire cette inégalité entre les hommes et les femmes. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux voies pour sortir, c'est la flexibilité négociée ou les politiques des temps de la ville. Alors, qu'est-ce que c'est que ces politiques des temps de la ville? C'est une politique qui dérive, qui est fondée sur l'analyse de la vie quotidienne et qui regarde tous les problèmes de la vie quotidienne qui peuvent se passer dans la vie quotidienne des hommes et des femmes. Et elle est fondée sur deux choses, c'est le changement des rythmes temporels des activités, c'est-à-dire on change les rythmes des activités, enfin on change, on essaye de réfléchir à des changements de ce type-là, et surtout une meilleure concordance des temps, une meilleure coordination entre les différents systèmes d'horaire, entre celui des transports, entre celui du travail, entre celui de l'école, entre celui des activités de loisirs, etc. Quand une femme, par exemple, en France, qui est passée aux 35 heures, est libre le mardi après-midi, quand elle veut utiliser ce temps, par exemple, pour aller à la piscine, le problème, c'est que la piscine, elle est réservée aux scolaires, elle est réservée au club, elle ne peut pas rentrer. Donc son temps libre, il devient un temps vide. Et c'est pour ça qu'on a une inégalité entre les hautes qualifications qui, elles, peuvent aller dans un club privé, etc., et les basses qualifications qui, elles, non seulement n'ont pas gagné de pouvoir d'achat, elles ont gagné du temps, mais elles n'arrivent pas à bien l'utiliser. Donc elles ne sont pas contentes. Et c'est surtout les femmes qui ne sont pas contentes, et c'est surtout les femmes qui sont contentes aussi de l'autre côté, parce que c'est elles qui ont bénéficié. Donc on a une polarisation entre les... Donc la question, c'est la meilleure coordination entre les systèmes d'horaire. Les principes des politiques des temps de la ville. Donc je vous l'ai dit, c'est essayer de réfléchir à une meilleure concordance des temps, mais aussi à une articulation entre le temps et l'espace. Et surtout, la question qui se pose, c'est chaque ville, chaque territoire, par exemple le Pays Basque,
et à l'intérieur du Pays-Bas, Saint-Sébastien, a sa propre couleur temporelle, son propre rythme temporel. Il y a des villes industrielles, il y a des villes de services, il y a des villes administratives. Ce n'est pas les mêmes rythmes. Donc, chaque territoire a sa couleur temporelle en fonction de ses caractéristiques économiques, sociales, culturelles. En fonction du climat aussi, par exemple. C'est sûr que Madrid et Copenhague ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, l'idée, c'est de partir de cette spécificité pour construire une autre articulation entre les temps sociaux. Donc ça veut dire une chose simple, c'est pour ça qu'on les appelle les politiques temporelles locales, c'est-à-dire que par exemple dire pour toute l'Espagne, je ne sais pas si c'est comme ça en Espagne, mais pour la France, dire les horaires scolaires, c'est ça de Lille à Marseille, les vacances, elles sont comme ça de Lille à Marseille, etc., ça n'a pas de sens. Par contre, en Allemagne, c'est régionalisé, c'est chaque land qui décide, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut de moins en moins avoir une politique très centralisée, centralisatrice. Il faut réfléchir. Alors, évidemment, le problème, ensuite, le troisième problème, c'est, bien sûr, c'est mené à l'échelon local, mais pas indépendamment des autres échelons. C'est-à-dire que c'est pas, vous savez, on a en France une bande dessinée qui s'appelle Astérix, que vous devez connaître. On dit le petit village gaulois dans son petit coin tout seul. Évidemment, il ne faut pas refaire ça, bien sûr. Hein. Il faut ensuite repenser, hein, repenser le processus, ses articulations avec les autres niveaux. Hein. Saint-Sébastien appartient à une région qui est la région du Pays Basque. Elle appartient et aussi une partie de l'Espagne, mais aussi de l'Europe. Comment ça fonctionne, tout ça? Comment on organise les différentes... Donc, si vous voulez, il faut pas seulement se centrer sur le local, mais il faut aussi, bien sûr, aller vers une dimension plus supérieure. Les enjeux, les principaux enjeux, on peut les résumer sous forme de l'urbanité, c'est-à-dire comment vivre ensemble, comment faire société ensemble, la conciliation entre les différents temps sociaux, entre la vie familiale, le travail, mais aussi entre le loisir et le travail, etc., etc., et la modernisation, c'est-à-dire aussi, du point de vue des services, avoir des services qui soient plus adaptés. Vous savez, en France, quand on a mis en œuvre les 35 heures, beaucoup de services ont rétréci leur amplitude d'ouverture. Les services publics. Alors du coup, dans une société dans laquelle les horaires de travail se sont étendus, ça pose des problèmes. L'amélioration de la qualité de vie, bien sûr, c'est l'essentiel. L'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, entre les âges, entre les catégories sociales. Essayer de reconstruire du lien social. Tous ces objectifs, on les a trouvés dans des expériences qu'on a analysées avec Ulrich Meckenberger en Europe. Hein. Une meilleure articulation entre le temps et l'espace, une requalification des espaces. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, à la fin, sur qu'est-ce qu'on entend par là. Je développerai ça. Je vous donne simplement les objectifs. Et aussi l'amélioration de l'emploi. Quantitatif, c'est-à-dire plus d'emplois, mais surtout meilleurs emplois. Parce que de la même manière que l'organisation du temps sur l'ensemble de la vie, ça permet d'avoir des emplois de meilleure qualité, si on est dans un environnement dans lequel il y a des bons services, des bons systèmes de formation, des bons transports, etc., une bonne sécurité, eh ben, le territoire il devient attractif. Si Saint-Sébastien a une bonne organisation temporelle, des gens ou des administrations où on n'attend pas beaucoup, pas des problèmes d'accès à la ville avec des gros bouchons le matin, etc., alors le territoire va devenir attractif. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ne s'installent plus en fonction, par exemple, de l'existence ou non de matières premières. Elles s'installent en fonction de l'existence d'une bonne formation de la population, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme... Et aussi, qu'est-ce qu'il y a comme service? Qu'est-ce qu'il y a comme service pour la garde des enfants, etc. Donc c'est tous ces enjeux qui sont un peu articulés dans les politiques temporelles, même si souvent on rentre par un premier enjeu, et si on rentre par exemple par, comme à Paris, le premier enjeu ça a été les crèches, l'accès aux crèches, donc la petite enfance, ils sont partis là-dessus. Dans d'autres villes, à Belfort c'était la mobilité, etc., etc. Et parmi les méthodes et la démarche, le premier c'est la transversalité, c'est-à-dire... Encore une fois, comme je disais, on ne traite plus d'une question toute seule. On ne va pas réguler le temps du travail tout seul ou le temps de l'école. Il faut le réguler avec les autres. D'où l'idée d'un bureau du temps. Qu'est-ce que c'est un bureau du temps? C'est une structure très souple, c'est quelques personnes
qui vont faire la transversalité, justement. Pareil, je vous donne un exemple pour être concret. À Bolzano, une ville italienne, il y a des problèmes d'accès à la ville. C'est une ville un peu dans la montagne, et donc c'est au pied des Alpes, hein, juste à la frontière avec l'Autriche. D'ailleurs, Bolzano s'appelle aussi Bozen, et il y a deux langues, l'allemand et l'italien, on y parle les deux langues. Et donc, ils ont des problèmes d'accès. Ils veulent faire un pacte pour la mobilité, c'est-à-dire organiser mieux, réunir tous les acteurs de la mobilité pour mieux organiser la mobilité. Donc, il y a les entreprises, bien sûr, plan de déplacement des entreprises. Mais ils pensent aussi aux écoles, en disant, mais finalement, l'école, elle a un rythme, tous les matins, les gens, ils viennent, etc., ils déposent, donc, on associe les écoles. Donc, à la municipalité, déjà, service économique, service pour les écoles, service pour la famille, puisque ceux qui amènent les enfants à l'école, c'est les familles. Et le matin, on connaît le stress du matin pour amener l'enfant à l'heure, etc., arriver à l'heure, le déposer devant l'école et puis partir à son travail, etc. Donc, association de la famille, association aussi des parents d'élèves, etc. Donc, vous voyez, faire la transversalité entre les différents services de la municipalité pour dire quels sont les... anticiper ces effets. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction, Volkswagen, on n'a pas anticipé le fait que ça allait produire des effets négatifs sur les transports, sur la famille, etc. Essayez de se projeter un peu et d'anticiper. C'est ça, c'est à ça que sert le bureau du temps. Il sert à faire du diagnostic, il sert à faire ressortir des problèmes et aussi à voir comment les traiter. Deuxième gros... Et tout ça, ça vient des Italiens. C'est eux qui nous ont appris ça. Alors en France, les bureaux du temps, on les appelle pas trop bureaux du temps. On appelle ça espace des temps, maison des temps, agence des temps. Parce que bureau, ça fait un peu kafkaïen. Ça fait un peu soit Courteline, soit Kafka. Hein, donc, alors, le dialogue sociétal, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Évidemment, comme c'est transversal, ça veut dire qu'on peut plus avoir simplement employeurs et syndicats qui vont discuter de façon endogène, avec leur propre logique, de la manière de faire un accord temps de travail, comme chez Volkswagen. Il faut évidemment associer d'autres acteurs. Donc là, ça va être ce que les Italiens appellent les tables de coprojection, coprojettazione, c'est-à-dire les tables de négociation quadrangulaire, dans lesquelles il y a la municipalité, les syndicats, les employeurs et la société civile. Les associations qui représentent les usagers, qui représentent les commerçants, etc. Et c'est très important parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Une grosse entreprise comme Peugeot en France, qui fabrique des automobiles, à Montbéliard, ils sont dans un territoire, Peugeot, Sochaux-Montbéliard, un territoire bien défini à l'est de la France. Ils décident, il y a quelques années, 2-3 ans, de fonctionner le dimanche. Pas le dimanche, le mois d'août. Alors, ils décident de fonctionner le mois d'août. Et... ils n'ont pas fait cette négociation qui aurait été nécessaire avec les commerçants, par exemple, avec les associations, avec les activités, les infrastructures de loisirs, parce qu'au mois d'août, tout est fermé, puisque les gens, ils partaient en vacances. D'un seul coup, ils ouvrent, et la première année, les salariés, ils n'ont aucun service. Il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus personne, tout le monde est parti en vacances. Vous voyez que ça crée des effets, évidemment, et ça, il suffit d'anticiper un petit peu, d'y penser. Donc c'est ça, le dialogue sociétal, et le mouvement des femmes. Les femmes sont très présentes dans ces démarches. Et il faut aussi une articulation entre une démarche descendante, c'est-à-dire il faut un engagement politique. Et nous, à chaque fois qu'avec notre séminaire Bâtard, on se déplaçait, par exemple, à Poitiers, à Saint-Denis, ça a été le point de départ. Avant, on a beaucoup travaillé avec le maire, etc., pour que ce jour-là, ils disent, on va faire un bureau du temps. On ne va pas l'appeler bureau du temps, on va l'appeler espace, etc., mais on va le faire. Et donc, mais il faut aussi une démarche ascendante. Et l'une ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas de portage politique, ça ne marche pas. Et même s'il y a des vrais problèmes, même s'il y a des problèmes qui sont portés par des associations, par des habitants, etc., eh bien, ça ne marche pas. Et si le problème, et si on a seulement une démarche descendante, ça ne marche pas non plus, parce qu'il n'y a pas d'assise. Et le dernier point, c'est de se doter d'analyse, ce qu'on appelle l'analyse chronotopique. Qu'est-ce que c'est un chronotope? Un chronotope, c'est un espace, on va le découper, et on va prendre une partie de cet espace et on va dire, voilà, comment il fonctionne cet espace? Comment il est organisé? Quels sont ses rythmes? Quels sont les habitants qui sont dedans? Quels sont les types de formations qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est son activité dominante? Etc. Quels sont les gens qui viennent? Alors, parce que, vous comprenez, une ville, elle n'a pas que des résidents, elle n'a pas que des habitants. Elle a des habitants. Elle a des pendulaires, des gens qui habitent à l'extérieur qui viennent y travailler. Elle a des touristes qui viennent, qui n'ont pas le même usage. Elle a des
hommes ou femmes d'affaires qui viennent aussi, qui vont venir de soir, qui ont besoin d'hôtels, de choses qui fonctionnent bien, etc. Et donc, la représentation chronotopique du territoire, c'est des cartographies. Alors, je vais vous montrer un exemple, vous allez voir là. C'est le quartier des Halles à Paris. Donc, c'est un quartier central à Paris. Et ce que vous allez voir, c'est petit à petit des petits points jaunes qui vont apparaître. Et les points jaunes, ça veut dire tous les services qui ouvrent, toutes les activités qui ouvrent, pas seulement services, toutes les activités qui ouvrent. Donc, ça commence à 6 heures du matin, vous avez l'heure ici à gauche, vous allez voir en rouge, et ça finit à 23 heures. Et je devrais avoir la nuit, mais je ne l'ai pas, et donc voilà. Et donc, vous allez voir, parce que ça marche tout seul, comment fonctionne ce territoire en termes d'activité. On appelle ça une carte on-off. C'est parti. Donc là, il est 6h30, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Il faudrait fermer peut-être la lumière. Et petit à petit, vous voyez, 8h30, 9h50, alors voilà, 10h, un peu après 10h, 10h, 11h, tout ouvre. Après, tout reste ouvert. 11h, c'est vraiment tout est ouvert. 19h, jusqu'à 19h, et ensuite, petit à petit, ça referme. Et donc, l'important dans ce type d'analyse, c'est que ça nous permet de représenter, d'une part, là, on a la représentation de la façon dont sont organisés les services. Je vous donne un deuxième... 4-5 minutes, c'est possible ? Oui, ça va, 4-5 minutes. Je vous donne juste un autre exemple d'une analyse chronotopique qu'on est en train de mener en ce moment à Dijon. Vous voyez, c'est la ville de Dijon, ici, hein. Le centre de Dijon, c'est l'agglomération de Dijon même. Hein. Le centre, il est là, donc c'est une ville. Et on a découpé son territoire en fonction de la dominante des activités. Donc il y a six petits, on ne voit pas bien ici les couleurs. Alors attendez, je vous montrais ici, bon, c'est pas, on ne voit pas, mais c'est les types d'activités qu'il y a, qui sont, et les types de territoires en fonction de leur dominante. Et les dominantes, elles sont ici. Vous voyez, le territoire 1... En rouge, il a plus de résidents et très peu de formations, universités, etc. Donc le territoire est divisé. Le bleu, c'est les résidents. Le violet, c'est les formations, c'est-à-dire école, université. Et le blanc, c'est l'emploi. Alors vous voyez, il y a des parties du territoire qui sont dominées par l'emploi, d'autres qui sont dominées par les universités, etc. D'autres où ce sont des résidents. Et ça permet de mieux comprendre quels sont les flux, etc. Et donc, pour faire ça, on divise le territoire en alvéoles de 300 mètres, et on regarde comment elles sont composées en fonction, alors là, on l'a détaillé beaucoup plus fort, en fonction, est-ce qu'il y a des cadres, est-ce que ce sont des retraités, est-ce qu'il y a des chômeurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont bien qualifiés, moins qualifiés, etc. Donc, vous voyez, je vous donne ces exemples pour vous montrer comment il faut décortiquer le territoire pour faire ce qu'on appelle un diagnostic spatio-temporel du territoire. Alors, puisque j'ai beaucoup de temps, je voudrais venir à, surtout de façon concrète, quels sont les points d'application de ces politiques, sur quoi ça porte. Alors, ça porte sur les horaires et les rythmes scolaires, beaucoup. Et là, j'ai mis les exemples des villes en Italie, vous voyez, Brême en Allemagne, mais Crémone, Bolzano, en France, Poitiers, Rennes, Saint-Denis, c'est-à-dire travailler sur les rythmes scolaires. Et par exemple, à Poitiers, je donne un exemple à chaque fois, donc pour chaque truc, je vais vous donner un exemple. Poitiers, il y avait un problème Poitiers, c'est une ville de 120 000 habitants, 25 000 étudiants. Tous les matins, les étudiants prennent des bus pour aller à l'université. Et ce qu'ils ont fait, parce que les bus pouvaient pas, la société n'arrivait pas à fournir suffisamment de bus, au même moment, ça faisait des gros trafics, des grosses congestions avec des gros bus, etc. Ils ont fait une négociation avec la direction, avec l'université, pour décaler les heures de cours, pour qu'ils ne commencent pas tous en même temps, de façon à ce qu'il y ait un étalement de la pointe. C'est tout bête, hein, mais il fallait y penser, et puis voilà. Donc ils l'ont fait. C'est des choses qui sont... Alors les horaires des crèches et garderies d'enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que face de plus en plus, on a besoin d'une demande d'extension des horaires d'ouverture des crèches, etc. Jusqu'où, c'est la question. Est-ce que c'est 24 heures sur 24, par exemple? À Helsinki, en Finlande, il y a une quinzaine de crèches qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Est-ce qu'on va jusque-là? Après, c'est un problème de choix social, de décision. C'est pour ça qu'il faut un débat sociétal. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on ne veut pas? Est-ce qu'on veut une société 24 heures sur 24 ou est-ce qu'on veut une société dans laquelle il y a des temps communs, des temps collectifs, des arrêts, etc.? Est-ce qu'on veut aller vers le modèle New York ou vers un modèle allemand? Est-ce qu'on reste sur le modèle allemand, hein, dans lequel les commerces sont fermés tout le dimanche, etc.?
Mais une ville comme Dordrecht aux Pays-Bas, qui est un des exemples de ce programme dont je vous ai parlé, Dordrecht, la crèche est dans l'école, par exemple. Et donc, ils ont trois groupes d'enfants, les 0 à 4 ans, 4 ans à 8 ans, 8 ans à 12 ans, et ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de les emmener, enfin, chaque activité pour chacun des groupes, mais pour ceux qui sont un peu plus grands, ils emmènent à la piscine, aux activités musicales, etc. Ils ont des petits bus pour les emmener. Les parents emmènent leurs enfants le matin et une liste de courses, s'ils ont des courses à faire. Et donc, ils reprennent leurs courses pour chez eux en reprenant leur enfant. Voilà, des choses comme ça. Les autres, un autre point, c'est les horaires des services publics et leur coordination. Bon, là, c'est très simple. C'est là aussi faire en sorte que les horaires de la mairie et de la préfecture correspondent. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans la ville pour faire des démarches administratives, il n'y a pas quelque chose d'ouvert et quelque chose de fermé. Donc ça, plein d'exemples existent de ce point de vue-là. Il y a aussi des nouveaux services, par exemple le guichet unique. Le guichet unique, ça veut dire qu'on réunit tous les services au même endroit. Et par exemple à Poitiers, au moment de la rentrée scolaire, juste avant la rentrée scolaire, pendant une semaine, il y a ce qu'on appelle un guichet scolaire unique, c'est-à-dire des endroits où les parents viennent et peuvent faire toutes les démarches, et c'est ouvert de 17h à 20h, c'est-à-dire plus tard que les services normaux, 17h, 20h ou 21h, tous les services sont réunis au même endroit, c'est-à-dire aussi bien la cantine que les activités parascolaires, que les centres aérés, etc. Donc les parents font des démarches ensemble. On a beaucoup d'exemples de ce type-là. Articulation entre temps de travail et temps hors travail. Par exemple, à Rennes, il y a 16 000 femmes, essentiellement des femmes, qui travaillent, qui sont, vous savez, agents de service, agents de nettoyage dans les entreprises, pour les bureaux, etc. Eh bien, elles ont des horaires, en général, très tôt le matin, très tard le soir, avec des coupures. Elles ont des problèmes, elles n'ont pas de voiture, il faut qu'elles utilisent les transports publics, il n'y a pas de transport public. Donc le maire de Rennes a décidé de faire une négociation avec les entreprises pour changer les rythmes de travail de ces femmes. Et donc parce qu'il dit qu'elles sont confrontées à trop de problèmes. Ça, c'est des exemples. La sécurité dans les espaces publics, on n'a qu'un exemple, c'est à Brême. Et les droits, les possibilités de mobilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pactes pour la mobilité, c'est-à-dire réunir l'ensemble des agents de la mobilité, pas seulement les transports publics, mais aussi les taxis et d'autres, les entreprises, pour faire un plein de déplacements des entreprises, etc., avec leurs propres véhicules. Donc, essayer d'avoir une concertation sur la mobilité. Voilà. Et régénération et qualification urbaine, ça, je vais vous donner un exemple pour la fin. Le dernier, donc je conclurai sur ce point, c'est la portée sociale et culturelle. Tous les exemples que je vous ai donnés sont des exemples, je dirais, fonctionnels. C'est-à-dire mieux faire marcher les choses. Un guichet unique, c'est mieux faire marcher les choses. Dépasser les horaires, c'est mieux faire marcher les choses. Ce que je pense, c'est que, et ce qui me paraît très fort, on en parlait ce matin, je pense que ça correspond, en Europe, en tous les cas, on a une culture du temps. Et ces politiques temporelles, elles intègrent toutes ces modifications dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire du modification du temps de travail et leur articulation. Donc à travers une étude des pratiques et des besoins, c'est-à-dire que ce qui est très important dans les politiques temporelles, c'est l'enquête, c'est le fait d'aller voir les gens, c'est de faire des interviews, c'est de ramasser l'ensemble des choses. Mais ça initie aussi de nouvelles pratiques qui correspondent justement à ces changements. Et je vous parlais tout à l'heure du dimanche. L'exemple que je vais vous montrer, ça, c'est la bibliothèque centrale d'Amsterdam. Vous voyez le petit panneau, là, ici, Zondag Open, ça veut dire c'est ouvert le dimanche. Ils ont décidé d'ouvrir les bibliothèques le dimanche aux Pays-Bas. Plus de 100 villes ont les bibliothèques ouvertes le dimanche. Et c'est là où on retrouve la dimension culturelle. La bibliothèque, c'est la lecture. Et l'idée, c'est pas parce que les gens n'ont pas le temps en semaine, c'est que ça transforme complètement la fonction de la bibliothèque. La bibliothèque devient un lieu de lien social. Les gens y vont en famille le dimanche, parce que c'est ouvert que l'hiver. Le panneau, j'étais à Amsterdam il y a 3 semaines, il a disparu, parce que du mois de mai au mois d'octobre, elles sont fermées, les bibliothèques, le dimanche, parce que les gens vont se promener, ils vont à la mer, etc. Et donc, ça transforme, si vous voulez, le dimanche se transforme, c'était un temps collectif, religieux, etc. Tout ça a disparu, notamment dans un pays protestant encore plus. Et donc le dimanche devient un temps du lien social et de la culture. Et à travers ça, c'est l'ensemble de la bibliothèque n'est plus un endroit où on vient chercher un livre, où on le repose. C'est un endroit de développement culturel avec des activités nouvelles. Et puis, il y a de nouveaux temps collectifs. Et je voudrais vous montrer une autre chose. Ça, c'est un panneau que j'ai pris à l'entrée de la ville de Crémone.
du centre, de l'hypercentre de Crémone, une petite ville italienne, mais très connue par Stradivarius, bien sûr. Et donc, ça veut dire, vous connaissez, vous lisez l'italien, vous qui êtes espagnol, donc le mercredi, l'horaire est égal pour tous. C'est-à-dire que là, ce jour-là, le mercredi, à Crémone, ça peut être le jeudi ailleurs, à Bolzano, c'est le jeudi, tous les services, on sait que tous les services sont ouverts plus tard ce jour-là. Vous savez qu'en Italie, les services, c'est très erratique. Hein, Et là, on sait que de tout l'après-midi, les services publics, privés, commerces, etc., vont être ouverts. Et donc, c'est un nouveau temps collectif. C'est un temps où les gens viennent à la ville parce qu'ils savent que tout est ouvert, etc. Et donc, et dernier point qui me paraît important, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on passe d'espace, alors, c'est un peu théorique ce que je vais vous dire, mais si vous voulez, on passe d'espaces qui étaient des espaces monochrones, c'est-à-dire qui avaient une fonction, une seule fonction, et qui était linéaire, une conception du temps linéaire. Et je vous donne un exemple. Sur cette image, pardon, je reviens en arrière, cette image, ça c'est pris à Wuppertal, en Allemagne. Wuppertal, c'est une ville de la Ruhr, industrielle. Trois villes, en fait, qui ont été réunies sous le nom Wuppertal, le long d'une rivière qui s'appelle la Wuppe. Wuppertal est très connu parce que c'est là où est né Friedrich Engels, et c'est de là aussi que Pina Bausch est né et a créé son théâtre. Et donc, ils ont créé à la fin du siècle dernier, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, ils ont créé ce système de transport, qui est lourd, vous voyez, c'est un toit sur la ville, c'est un toit sur la rue, c'est du fer, le système, la cabine est accrochée, d'ailleurs, c'est très original, et évidemment, ils l'ont mis au-dessus de la rivière la plupart du temps, et de temps en temps, c'est dans la ville. C'est dans la ville. Et donc, pour moi, c'est le temps fordiste. Ça, c'est le temps industriel, linéaire, monofonctionnel, pour emmener les salariés du travail, de leur domicile à leur travail, et vice-versa. Et on passe, en fait, à des espaces polychrones. Et ça, c'est une gare, vous voyez, la gare de Hulsen, en Allemagne aussi. Et c'est une gare qui continue à être une gare, avec laquelle il y a des trains, des gens qui vont prendre le train, etc. Mais ils en ont fait un musée. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à Hundertwasser, qui est l'architecte autrichien très connu, de la réhabiliter, de la requalifier, de requalifier cet espace. Et il en a fait, vous voyez, il en a fait un musée. Vous voyez, il y a des choses. Et à l'intérieur, c'est vraiment des choses à voir extraordinaires. Et donc, vous avez là un espace qui est fait pour plusieurs usages au même moment. Il est polyfonctionnel, il est polychrone, parce qu'il a plusieurs temporalités, et il y a des flux qui se croisent. Vous avez le flux, si vous restez en observateur, vous avez celui qui va prendre son train, et puis celui qui zigzague, qui regarde et qui se promène. Et il y a des conflits de temps, du coup, parce qu'ils se rentrent dedans. C'est assez curieux. Et donc tout ça suppose, évidemment, des systèmes de... Ça, les mobilités, hein, ce que je disais ici... Avec ces nouveaux espaces-temps, il y a de nouvelles mobilités, de nouvelles formes de mobilité qui sont multifonctionnelles, aléatoires. Les Italiens disent zigzagante, hein, c'est-à-dire des mobilités. Et donc, ça suppose de réfléchir les systèmes de transport, peut-être à la manière néerlandaise. Vous voyez, ça, vous avez tous ceux qui sont allés aux Pays-Bas ont vu ça devant une gare, ces espèces d'immenses parkings de vélos. Parce que le vélo, eh bien, mais le vélo, il faut qu'il puisse aller dans le train, il faut qu'il puisse aller dans le tramway, il faut qu'il puisse servir. C'est quand il pleut, ben, c'est pas grave de faire du vélo, on le met dans le tramway. Donc il faut trouver de l'intermodalité et de la polyfonctionnalité. Voilà, alors, la conclusion, elle essaye de donner une conclusion générale pour les deux exposés, si vous voulez. C'est que je pense que la question de la maîtrise du temps est une question qui est au centre de notre modèle social européen. C'est peut-être plus tellement l'État-providence, mais... c'est de pouvoir maîtriser son temps. Et donc, comme je l'ai dit, ça passe par au moins deux voies, mais il y en a d'autres, hein, la flexibilité négociée avec l'organisation du temps tout au long de la vie, mais d'autres formes aussi, pas seulement celle-là, et les politiques des temps de la vie. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne régule plus chaque temps pour lui-même, mais en articulation l'un avec l'autre. Et enfin, il n'y a pas que de la fonctionnalité, comme je l'ai dit, mais il y a aussi une dimension culturelle qui me paraît importante, et qu'il faut promouvoir, comme dans le cas des bibliothèques. C'est-à-dire que là, effectivement, on est en train de changer un certain nombre de pratiques, des pratiques culturelles qui changent, et des pratiques culturelles aussi par rapport au jour. Donc, se pose derrière la question, par exemple, le dimanche, est-ce qu'il faut faire comme à Londres, où tout est ouvert, mais c'est la consommation qui est ouverte, ou est-ce que c'est
plutôt des espaces dédiés à la culture, dédiés à d'autres activités, comme vous, comme les Espagnols font dans les Asturies, de dire les enfants, les jeunes, ils sont dans la rue, ils boivent, etc. Ils vont dans les, toute la nuit, ils sont dans les bars, etc. Est-ce qu'on leur offre une autre activité à travers l'ouverture des infrastructures, des écoles, des cours des écoles, etc. Donc vous voyez, l'espace école devient polyfonctionnel. Il était monofonctionnel, école, il devient polyfonctionnel. Voilà, merci. Merci bien. Bien, creo que después de tres jornadas, el mejor uso del tiempo que podemos hacer ahora es terminarlo aquí. Yo quiero agradecer a todos los que han participado en este curso, tanto de forma como ponentes, como asistentes, y espero que, vamos, que haya sido de provecho para todos estas jornadas. Y que en próximas ediciones también nos volvamos a encontrar de nuevo aquí. Verás, eskerrik asko denori, parte hartu duzuten guztiori, eta hurrengo bat arte. Agur.